Congolais. Congo Live Télévision, na banza été tokuta nisu na mokolo mwalelo pour que to partager actualité ezali na kati ya République démocratique du Congo et pas yapi ba questionnaire na ba suggestion na bino oyo bokotaka na place publique et puis bokotinde la kabiso yango ezali mosala oyo toko sala ka na banzi été moto oyo a révélé ki ba minéraux ezali na se ya Kingakati. Oui, oui, ça là qui était buzz, oui, bimaki na kati ya toile. Et ça là qui bongo, mon amboka racheté, bino bosinga qui était azonga lissous na place na biso à Congo Live Télévision pour que tu continues. Kota la situation que les Kanakats République démocratique du Congo, na banza été. Ba suggestion na bino botinda ki na ba message bokoma ki ezala ki bienvenue na kati ya Congo Live Télévision. Voilà raison pour laquelle tozui lisusu libaku ya kuyambaye awa pour que to continue ko sala mosala oyo bino botinda biso lelo to ko partager sur l'actualité lelo yo insécurité na kati ya République démocratique du Congo, les pays saines de tout et lelo tout à la insécurité na kati ya est ya République démocratique du Congo, insécurité na ville province ya Kinshasa, insécurité na Kwamout. Partout insécurité, toko kendewa pipe toko souka pina insécurité lelo yo congolais azay na posa ete aiba ko vivre tranquillement et ali ali panaye na kimia ou ezali bongo ba thématique ou toko partager na mokola lelo lelo yo toko pousa na pene pene ma ponami nenge na lobaka toujours et toujours pousa na pene pene ma ponami mais ba dossier ko bima toujours rebelé lelo yo ba loi ezala ki proposé par 13 parlementaires lelo yo sur la loi qui proposait juste le même pas et trois quarts nango mutiaki qui accepté les lois oyo to komona to kokendwa pi processus électoral bientôt to kokutana maponami situation ezali lolinge kani paiwapi président seigneur pesi position na ye quand il y a position il y a opposition position et majorité seigneur pesi position na ye les lois to kokoma na kati il y a mes gestion na kati ville province à Kinshasa responsabilité ko emané na nani et paiwapi gouverneur a ko jeté au propre les lois oyo na président et l'Assemblée nationale destituée, les lois où le gouverneur, le sous-soir, que j'étais au propre, le vice-gouverneur, où les alliés, bon, j'ai coco moulumba, la bande a été ville province à Kinshasa, toko kende wapi. La bande des alliés, thématique, toko partagé, na mokolo le lois, nous avons mboka à racheter, et mokonda, la bande a été massacré, et comboté, et les lois où le n'est pas été mining, n'a pas mbatté. So ima eninga ni mbisi ya wazali ya munene ya saibi ke awa mboka na biso esili eindi. Ba verite ko bima awa, ba preuve to kote la bino, ezali pona ko interpele Kongole nyosu. Ko interpele mwana mboka nyosu, face ya situation oyo, ezali na kati ya ville province ya Kinshasa, na République démocratique du Congo mobimba. Mwana mboka rachete mbote na yo. Mbote journaliste d'investigation, Mbote na bakongomani, vraiment aujourd'hui, nous allons parler du tout sauf rien. Tout sauf tout refingaté. Mais tout ça là-bas, analyse politique. Na ebite soki na ko mi présenter. Allez-y. Monsieur Racheté Mokonda, coordonnateur national et mouvement de pression, ANCP. Action des nationalistes unis contre la classe de prolétarisme en République démocratique du Congo. Nous combattons écart de salaire entre les gouvernants et les gouvernés. Bref, la bourgeoisie comprador, une richesse qui vit derrière le dos de l'État. Analyste politique indépendant, politologue de formation. Fondateur et la fondation Racheté. Oh, tous allez couvrir na quatre compartiments. Tous allez na entrepreneuriat, tous allez na crédit, tous allez pe na santé. Na santé, tous allez na connexion na hôpital RRFA. Na voici l'homme Mutombo. Voilà en quelque sorte parcours et profil d'un acteur politique. Oh, tous allez pe candidat à la députation nationale na circonscription ya Moamba. Nabanza ite lelo yo nyonso ekoleka na kati ya République démocratique du Congo yo oyo aussi au s'annoncer déjà na population congolaise mobimba population congolaise yebi e mona mboka racheté lelo oyo tokobeta masolo ya mboka tokobimisa nyonso olobi yango blé tokobimisa la vérité tokobimisa la preuve mais tokofingate mais lelo oyo situation politique et République démocratique du Congo, l'insécurité bat son plein.
Congolais, est-ce que vous avez une assurance de vivre malade dans le Canada? Votre question est une rétrospective sur l'indépendance qu'a connue la République démocratique du Congo de 60 à nos jours. De 60. Belge, Atikeli Biso Mboka. Tant que Belge, Atikeli Biso Mboka, un franc égale un dollar. Après, Tokutani, Tosi, président Kasavubu. Kasavubu, Mobutu a profité entre conflit et Kasavubu, na premier ministre, à sali coup d'État. Mobutu a régné pendant 32 ans. Accueilli comme ça, l'abisso zairanisation. Après Mobutu, Mosé a eu comme ça la coup d'État. Après Mosé, Baye Basalipe Mosé coup d'État. Après Mosé, Tokuti, Tosui, succession, il y a Mwana Naye. Mwana Naye, Asuki, na projet Bukangalonzo égale Université Mapon. Asuki na niveau qui est autour de lui, azozanga 15 personnes pour qu'il accompagne. Mais nga na comprendre que azalaki wana na ba professeur d'université. Naomi Mulanya azalaki, Matata Ponyo azalaki, Samba Kaputu azalaki, Evariste Boshabu azalaki. Donc, des grands professeurs d'université. Nous avons été entourés par les hommes politiques et non les hommes d'État. Ceux qui ont entouré par les hommes d'État, ils ont été confinés dans la République de Kinshasa. Mais tout le monde a été confiné. Le même système Kabili ou déploré les lois. Mais ce sont le même système Kabini et qu'on continue. Et qu'on continue tout comme on a un goût, l'élo et bango, basan à quatre unions sacrées. Exactement. L'élo et tout comme le Congolais, Balongoli, Joseph Kabila, mais le système Kabili reste. Exactement. Nasa la étude comparative entre régime Kabila et régime Félix. J'aimerais, journaliste d'investigation, il faut la question d'émergence. Dans l'émission, nous avons l'émission, nous avons vraiment causé la casquette politique. Nous avons la passion. J'aimerais être trop scientifique. Parce que vous avez une union sacrée. Il y a peut-être une union sacrée. Nous avons une union sacrée, les peuples d'abord, et non les gestionnaires d'abord. Union sacrée, comme ils sont mis balais. Ils ont la ramie balais évité. Puisque l'union sacrée, il y a haute autorité, et Félix Antoine Tshisekedi, l'union sacrée, il y a un peu de balai où tu vas. Oui, mais vision l'union sacrée. Place l'union sacrée, beau temps. Ah, mais il y a sa population pour que l'union sacrée. Vision l'union sacrée, Zalini. Pendant la passation et le pouvoir entre le président sortant et entrant, tu vois qui voit mon les canaki qui ont parlé de la nation Bazoloba. Félix, papa Alobaka, le peuple d'abord. C'est là où vision et union sacrée, il y a Bisso. On est dit vision et de paix, et comme il y a union sacrée. Non, j'ai dit c'est là où nous nous sommes appropriés. La vision, on a. Okay. Mais à la longue, tout le monde, les kabilistes, les moboutistes, bah, ils s'approprient dans les systèmes. Bah, gestionnaire. Union sacrée, mais surtout qualifié union sacrée, les gestionnaires d'abord, les ventres d'abord et non le peuple d'abord. Mais surtout, union sacrée, le peuple d'abord. Vous voyez, union sacrée, le peuple d'abord, les animes. Elles ont fondé dans l'article 58 de la Constitution. Oui, lobby. Qui stipule. Vous voyez, la Constitution, c'est la carte de visite d'un pays. Elles ont livré au top des tops. Tout Congolais a le droit de jouir de la richesse nationale de son pays. Équité. Virgule. L'État congolais
le devoir de le redistribuer équitablement. Point. Maintenant, nous avons une union sacrée. Les amis Baléti, boni boni, député à Komana, salaire est à 21 000 dollars. Boni boni, Kabila, tiki la biso salaire est à 680 000 dollars. Il y a Yemoko Azozoa. Militaire, au Akoufa na front, a besoin de 280 000 francs congolais. Militaire. Mais à qui aujourd'hui responsabilité est causée la nani? Parce que les lots sont totalisés depuis ta commune à 21 000 dollars. Et le président n'aurait rien touché 680 000 dollars. Donc dépassé déjà moitié, donc presque, à Kokoma, presque na, na 1 million chaque mois au Père Loba qui était posé à la Banyongona et Bino Batou à pouvoir en place. Mais tant qu'il est toujours, les lots, Bino Bouana Kata pouvoir en place. Monsieur racheté aux alliés potentiels candidats. Et il y a députation nationale, na Mouamba. Les lots, vous allez na yo, vous allez na kata union sacrée, vous allez pour ceux qui président, il y a ANCP, na kosi. Zabongo. Vous allez na kata union sacrée, motu na moko. Union sacrée oyo est ramené na kati na yango, ba fédéraliste, ba démocrate. C'est-à-dire bah on va partager opinion mon côté, mais bah on ne se bat dans na kata nzungu moko pour que vous ramenez population wapi. Exactement. Na tiens entre parenthèses pour répondre à la question là. Joseph Kabila a tika lika na 680 000 dollars T. Plus salaire ya sénateur en vie. Donc 680 000 dollars. Donc aussi longtemps que population est ko coupir et ko zanga même lelo oyo to ko mona lolenge kani vie sociale et komi. Mais ali na bato oyo ba ko vivre na opulence alors. Je peux interpréter encore la Constitution? Allez-y. Azana juge naturel. Ah, nga na banza été yozana kata union sacrée. Ozana kata union sacrée tant ozo bimisa boye. Ah, ezali population congolaise ne ba koyoka yo. Je suis dans la Constitution. Tout à fait. On y va. Azana juge naturel. Azana juge naturel. Ah, yango wana procès ya Bukangalo nzo ezali poursuivi te même ata matata ponyo ba kolanda et trois. Sauf la République démocratique du Congo. Que premier ministre, ancien chef de l'État, a un juge naturel. Vous êtes journaliste d'investigation. Juge naturel et juge naturel n'est pas cour constitutionnel. Je peux aller trop loin. Allez-y. La cour constitutionnelle l'obité a été incompétent pour juger l'ancien premier ministre en fonction. A été incompétent pour juger le président, l'ancien président de la République en fonction. Oui ou non? Ok, je vous renvoie aux États-Unis d'Amérique. Place démocratie et banda. Et peu place, mais surtout, ça lit restrictivement la démocratie. Ça vient de là. Je veux encore vous renvoyer en France. Je ne prends que les deux exemples, que nous sommes en Afrique. Le président américain, l'ancien président américain, est tenté d'être jugé, condamné. Oui ou non? L'ancien président français est en train d'être condamné, est en train d'être jugé, condamné, oui ou non? Afrique du Sud, le président en fonction, en exercice, on l'a démis des fonctions pendant qu'il n'a pas exercice. Joseph Kabila, c'est un dieu. Mais quand c'est ce qui est bien, c'est que la union sacrée et qu'aujourd'hui, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a protégé Joseph Kabila. Alors, à qui émane la responsabilité? Je ne cite pas Félix, mais je suis dans la loi, dans la Constitution. Pourquoi massacre à Chebeya, Joseph Kabila ne peut pas être jugé? Pourquoi la mort de Fidel Bazana, Joseph Kabila ne peut pas être jugé? Pourquoi massacre Yabundu Dia Congo, Joseph Kabila ne peut pas être jugé? Pourquoi guerre il y a 23 ou 26 entre Joseph Kabila et Jean-Pierre Bemba, Joseph Kabila ne peut pas être jugé? Et qui pourquoi protège, phénomène Kamonasapo, Joseph Kabila ne peut pas être jugé? Qui protège le président honoraire? Je peux avancer. Allez-y. Pourquoi
le dossier Bukangalonzo, l'ancien premier ministre ne peut pas avoir son juge naturel. Mais juge naturel n'est pas la cour constitutionnelle. Ce qui, au lobby que juge naturel n'a pas la cour constitutionnelle, c'est qu'on a dit ma tata. On a dit Joseph Kabila. Voilà en quelque sorte héritage. Oyo, Joseph Kabila a tiqué les bisous. Dans ce cas, étude coopérative, assassinat de Floribert Chebeya, assassinat de Chiribert Okende. Pouvoir de 18 ans, pouvoir de 4 ans. Chebeya, activiste des droits de l'homme, a bataillé contre enquêté sur le massacre Yabundi du Congo. Pour lesquels Joseph Kabila, avec son régime, a bataillé pour mitrailler les populations comme des poulets na couvée. On va bien en haut, ce soit à Moutakala, au Tolia Kangouan. Chebeya, comme activiste des droits de l'homme, avait investi sur les faits vrais. Et puis, Alinga qui a déposé plainte dans ces pays. Voilà en quelque sorte la mort, la cause de la mort de Chebeya. Joseph Kabila savait que les pièces de conviction, il y a massacre, il y a Bundi, il y a Congo, c'est Chebeya. On devrait l'éliminer pour effacer les traces. Étude coopérative. D'abord, pour arriver là, on se pose d'abord la question. La mort de Chebeya n'est pas un crime d'État. Ne serait pas vraiment un crime d'État. Un crime, je m'excuse. Ne serait pas un crime d'État. To zongi suko na Chiribert Okende. Chiribert Okende. C'est l'initiateur, il y a motion et fait partie Koko Pepe Ilukamba. C'est celui qui est l'initiateur et ça le changement, il y a régime, il y a accord FCC cash na Union Sacrée. La transmasse là, c'est lui. Chiribert Okende. Le ministre des Transports n'a compte il y a Moïse Katumbi. Porte-parole, il y a ensemble. Il a démissionné. Selon mot d'ordre, il y a autorité morale. Parmi les ministres, qui a démissionné, n'était pas seulement Chiribert Okende. Mais la Cour constitutionnelle, on se pose la question. La Cour constitutionnelle, à l'ougaï kaka, Chiribert Okende a kende ko présenté sorti à ba bien na ye. Mais ils allaient légal parce que ministre badali ba démissionnaire et si c'est sélectif, sa patrimoine na bango. Si et seulement parmi les ministres au ba démissionna qui n'était pas seulement Chiribert Okende. Mais la Cour constitutionnelle voudrait rien que Chiribert Okende a kende ko déposé document y a ba bia sorti y a bien naï. Na banza été population congolaise et kozala un peu. J'ai pas enterré. Non, parce que Cour constitutionnelle a tinda ki lettre na bango misatu. Christian Mandotimba, Véronique Kilumba, ozala ki bongo vice ministre à santé et puis na Chiribert Okende. Raison à Chiribert Okende Zala qui était à ça la report par rapport à l'invitation au Yoku Repesa qui est les raisons à Akende qui s'est présenté dans la Cour constitutionnelle. Je peux parler? Allez-y. L'ancien ministre de l'Intérieur fait partie de la ministre qui a été déposée dans le document de la Bangotote. Je parle de l'ancien ministre de l'Intérieur. Pourquoi seulement Chiribert Okende?
Pourquoi seulement les députés de l'opposition? Pourquoi seulement porte-parole? Je vais aller plus loin. Chéribé Okende est enlevé dans l'enceinte de la Cour constitutionnelle. L'endroit censé être sécurisé parmi les institutions de la République démocratique du Congo. Maintenant, le gouvernement congolais a zali cojeté au problème dans le service de sécurité pour passer à l'enquête. Il y a RDC pour passer à l'enquête. Il y a Chéribé Okende à l'objet, il faut avoir expertise internationale. Mais on devrait commencer par charger la sécurité, la cour constitutionnelle. Les gardes au Bazala qui n'apportent wana. Mutuka yango ekotaki ndenge nini pe ebimaki ndenge nini. Nabanza été témoignage ya chauffeur ya Chéribé Okende ezali déjà na toile, ezali na place publique. Mais est-ce que lelo oyo parce que nabanza été battu ya pouvoir en place et puis ba communicateur kaka ya pouvoir en place ba ko accuser complot et ensemble et salami parce que to kota la Chéribé Okende chauffeur na ya lobi était ba komaki na 15h52. Il y a un accusé accusé de réception, il y a ça là qui 10 minutes. Donc ça fait 16h02. Pourquoi tweet il y a Peter Tchani, Steve Wemby, Stanis Boudjekura, et il y a qui à 14h52. Est-ce que ça là qui prémédité? C'est à la justice de pouvoir éclairer la lanterne. Mais nous, permettez-nous comme analystes politiques. Pourquoi cet écart? C'est à la justice. Parce que les lots, Bango va publier enlèvement avant enlèvement. Ce sont des normalement, spéculations. Normalement, témoignage à chauffeur à Chériba. Ce sont des spéculations. Est-ce qu'il n'y a pas un complot dans OCA ensemble pour la République? Excusez. Ce sont des spéculations. C'est à la justice de pouvoir éclairer la lanterne. Je vous ai envoyé. La première personne à être interpellée, Zali, commandant la sécurité, ou Zali chargé dans la cour constitutionnelle. Mais aussi et puis les gardes. Aussi longtemps, Moïse Katumbi na Kinshasa, il est allé vite dans Monisco pour demander une enquête. Et le gouvernement a sengi lokola était opinion et que a contesté. Le gouvernement a sengi expert d'Afrique du Sud, ou Zali déjà. Ah ouais. Le lo Oyo. Famille ya bia Chéribé Okende ba tindi l'avocat Laurent Onyemba pour que yepe asala instruction na ye na nini a déposé plainte contre l'inconnu na tribunal ya grande instance ya Gombe. Je suis en train de faire le parallélisme entre l'assassinat de Floribert et pour vous dire aussi société Alexis Japanese où ils en a Japon bango balobi baza pe prêt. Il y a quoi enquêter sur la mesure parce que le duplexis est allé contrôler même au niveau de la maison. Il y a un moment que même au niveau international, tout le monde a ses maîtres. Il y a un moment qu'on n'a pas pour avoir la vérité et le dossier Chéribé Okende. Journaliste d'investigation, je suis en train de faire le parallélisme entre l'assassinat Floribert Chebeya et l'assassinat Chéribé Okende. L'assassinat Floribert Chebeya pendant le pouvoir de 18 ans et l'assassinat Okende pendant le pouvoir. Alors, on a ça la perspective comme un analyste politique. Je n'aimerais pas incriminer Kabila, je n'aimerais pas incriminer pouvoir en place, ni Moïse Katumbi. Je suis analyste politique. Nazali, qu'on s'est posé ma question majeure. Pour en avoir ma conclusion comme un analyste politique. Comme un analyste politique, j'ai dit ceci. La première personne à être interrogée est le commandant de la sécurité de la Cour constitutionnelle. La deuxième personne à être interrogée est le garde. Au bas de la qui, na jour où on a entré et sorti de la Cour constitutionnelle. Avant tokomana Peter Tchani, tokomana garde du corps, tokomana chauffeur, tokomana ba tweet, tokomana ba journaliste. Je crois que je suis clair. Je pars un peu trop loin. Les similitudes des deux assassinats
par rapport à l'analyse Nabiso, ce qui est un crime d'État. Il est plus loin. Si le système Kabila, où il y a un assassinat, il y a Floribert Chebeya, il a infiltré l'Union sacrée pour l'assassinat, il y a Chérubin aucun détail. Je suis en train de me poser des questions. Des questions majeures pour tirer conclusion. Il y a une analyse. Ce qui Floribert Chebeya a Koufaki, John Nyumbi, après la mort de Floribert Chebeya, a comment il renseigna comment? Après la mort de Floribert Chebeya, à l'attaque grade de général à 5 étoiles, pourquoi? Et aujourd'hui, si John Nyumbi était innocent, il est où? Vous allez comprendre les similitudes de mes analyses entre l'assassinat de Floribert Chebeya, l'infiltration de FCC Nakat, de l'Union Sacrée. Donc vous allez comprendre, je tire les conclusions que ils ont le même système, ils ont l'infiltration. Il y a bateau, il y a FCC, il y a infiltré, l'Union Sacrée, ça a le même système pour saboter le régime. Voilà en quelque sorte notre analyse catastrophe. Voilà, nous avons été les lots où vous... Toko Poussana, Nabanzi était deuxième thématique où il a renversé Bissot. Lelo Oyo, théâtralisation et Kosalema na Katia Assemblée provinciale. Il y a Katia gouvernement, et non, gouvernorat plutôt provincial, il y a Kinshasa, ville provinciale Kinshasa. Et Payouapi, Lelo Oyo, président Azali, il y a Assemblée provinciale à Kinshasa, destitué. Et na kati assemblée provinciale tenait ba dynamique ngubila lelo e komi sous vent ezo kende gouverneur ya ville province à Kinshasa ako poussa vice gouverneur na ye jekoko mulumba na porte théâtralisation nyonso wana est-ce que e quoi arranger ville province à Kinshasa. J'aimerais commencer par la province de Yumbi. Jatini Ngobila, gouverneur ya Mai Ndombe, y a eu massacre na Yumbi. Qui avait envoyé Jatini Ngobila comme gouverneur na Yumbi, FCC? Joseph Kabila. Après enquête et jugement, on a appelé, on l'a qualifié renseignant. Le massacre de Yumbi. Je vais encore aller trop loin. Il y a eu massacre de MLC pour lequel Japper Bemba était arrêté dans ce pays. Il a fait prison pendant 10 ans comme autorité hiérarchique. De quelle sorte Jatini Ngobila Akobima comme renseignant dans le massacre de Yumbi, John Nyombi Abima, comme renseignant dans le massacre de Floribert Chebeya. Au Congo, nous avons que des hommes politiques et non des hommes d'État. Hommes d'État, à ça, la rapport à l'intérêt et à la nation. Hommes politiques, à quoi le bâtiment, le quoi la professeur Samba Kakutu, Azali ko gêné, tout ça la carrière l'homme moro boye, tout ça la non moutou na été. Crime, le professeur est parti. Jusqu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo va remplacer la personne, la tête de Samba Kakutu. Voilà le système politique des pays africains. Nous revenons à votre question pertinente. Théâtralisation entre Jatini Ngobila et Godepol. Monsieur Jatini Ngobila a komaki gouverneur na tiki ya FCC. Son autorité morale, c'est Joseph Kabila. Nous, analystes politiques indépendants, tout ce que Monsieur Jatini Ngobila a fait, c'est la faveur de la République ya Kingakati.
au détriment du pouvoir en place. Tenez. Donc, nous avons eu le Manakat à ville, province de Kinshasa, et nous avons eu la contre et la volonté politique de Félix Antoine Tshisekedi, président de la République. Tenez, premier élément. Jatini Ngobila arrive au pouvoir. Il a remarqué que André Kimbuta a dit qu'il y a 18 500 000 $. Alinga ça la poursuite. République et a un gars qui non, il y a un problème, il y a justice. Il y a tout le monde dans la famille politique. Ils étaient allés traiter le problème où? Na Kingakati. Il y a arrangé le problème de Yamboka. Yambongo va contribuer avec les Congolais na Kingakati. Deuxième élément, vous allez comprendre que fatigue. Oyo ba Congolais ba fouta ka courant. Tous les Congolais ba fouta ka courant ya SNEL. Facture moko di makwana ba benga éclairage public. Éclairage public, facture do fouta ka courant. IGF akei ko kanga jatini ngo bona la messe les sacs. Alinga détourner bon 2 500 000 dollars. L'argent. J'ai dit je suis analyste politique. Et j'ai des pieds sur terre dans l'analyse. L'argent est zongi dans le trésor public. Jatini Ngobila arrive de nous amener les lapes témoins comme éclairage public. Des lapes à usage unique comme éclairage public. Surfacturation. Je peux aller trop loin. Jatini Ngobila alingi asala assemblée générale ya ACP. Asali contrôle ya vignette. Embouteillage 7e riti Kingasan ya souk. Ropwenga bati cité verte. Après wana a Zwimbongo wana ake kosala assemblée générale ya ACP na stade de Marti, 500 000 dollars e bungi. Le ministre de l'économie interpellé tilelo. Le problème est en huis clos, le dossier n'est pas traité. Mais est-ce que faute lelo ezali na kati ya assemblée provinciale à Kinshasa te parce que lelo yo organe qui contrôlait gouverneur et ville province à Kinshasa, Libong assemblée provinciale à Kinshasa, où il y a un peu de temps pour jouir dans Jatini Ngobila. Les gens qui ont été passés, moi, je suis à dribbler, moi, je suis allé à commis, peut-être à annoncer quelque chose, où il y a commis là qui est déjà dans Soukanaïe. Parce que les gens qui ont été dynamiques, Ngobila, au sein de l'assemblée provinciale à Kinshasa. Quand il y a des députés qui courent, des députés acolytes et gouverneurs, Moussala Nibarossa dans la 4e ville, province à Kinshasa. Trois éléments de réponse. Le vice-gouverneur sortant, Bangamouyou, Nerombungu, Azala qui virait, n'a même fait, Oyo, Maïke Moukebaï, Azala qui emprisonné, na dénonciation à gouvernance à Jatini Ngobila. Mike Mukiba emprisonné, privé même de ses moliments. Nerombungu viré de ses fonctions. Les conséquences, vous savez les causes. Les causes c'est quoi? Na assemblée provinciale, il y a ville province de Kinshasa tozali na 48 députés. 31 au Bazali na kati ya dynamique Ngobila. Parmi les motions, où est fait partir Godepoy, il y a que 31 députés. Il y a dynamique Ngobila. Plus, moko ya MNC Mounzi Wambonzi. Voilà le même système. Voilà le système qu'a fait Jatini Ngobila, Louis XIV, ou n'est pas dit Hitler, ou n'est pas dit Mussolini. Vous comprenez? En conclusion, vous allez comprendre que il y a une mission Moko.
Ils ont téléguidé la République de Kingakati pour détruire le régime de Félix Tshisekedi. Mais est-ce que vous copiez le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, tant que la population kinoise est criée sur mes gestes, ils ont dans la ville, province de Kinshasa, les lois où il y a un enlèvement, les lois où il y a Kin Bopeto, et comment Gombe Bopeto et puis disparaître. Les lois où il y a tout autour de l'hôtel de ville et Kinda Wapi et Kin Bopeto. Les lois où il y a un enlèvement dans la ville, province de Kinshasa, et qu'on interpelle le chef de l'État. Je vais aller. Ce qui est chef de l'État, c'est la sourde oreille de la population congolaise au détriment de Gentil Ngobila. Chef de l'État, je vais aller plus loin qu'au creuser, après en répondre au chef de l'État. L'ancien ministre provincial, Tengelito, il y a qui valait 2 millions de dollars pour l'acquisition, il y a 22 véhicules, il y a hôtel de ville, Kinibopeto. Jatini Ngobila a sali surfacturation. Tengelito a télémeli surfacturation. Il y a Jatini Ngobila, c'est ce qui a causé le départ de Tengelito. Vous allez comprendre le système de gouvernance de l'homme de Yumbi. Les renseignants de Yumbi. Le président de la République. Par rapport à la gestion de Jatini Ngobila. Nous sommes dans le cadre de séparation, il y a trois pouvoirs traditionnels dans un État. Nous avons le gouvernement, nous avons le pouvoir judiciaire, nous avons le pouvoir législatif. Cours et tribunaux, pouvoir législatif et pouvoir et le gouvernement. Le chef de l'État ne peut pas s'y mixer dans l'affaire Wana. Mais voilà le système qu'a fait l'IDPS pour contourner le système Ngobila. On lui a largué le pion qui s'appelle Jikoko. Mais Jikoko, le loyo Gentil Ngobila continue de gagner la porte. À la fin du compte, c'est Gentil Ngobila qui sera viré parce que Jekoko, c'est quelqu'un de l'IDPS au hasard envoyé pour remplacer Gentil Ngobila. Mais Moutou, oh, l'IDPS est indi et remplacé Gentil Ngobila. Léo Gentil Ngobila qui a menacé à Benganaye, dans le gouvernement de Kinshasa. Gentil Ngobila le menace en quelle qualité? Azui Loani Soubassimani. Non, les hommes passent et les institutions restent. Merci beaucoup. D'abord, ça a été le lot de la République démocratique du Congo. Fidèles téléspectateurs, Balanino sur Congo Live Télévision, de partout où il y a eu un biso, il y a eu un biso, racheté. Tout le monde a été le hymne national et la République démocratique du Congo, tout le monde a été debout congolais. Et tout le monde a rassuré qu'il a été construire un État plus beau qu'avant. Na kati ya mboka na biso. Makambo nyonso oyo bimisi awa na banza ete ba kongole ba yoki eko senga na ba kongole ba telema pour la cause nationale situation politique république démocratique du Congo eko bangisa to kokoma pene pene ya maponami mais question mais ezali moko seigneur pesi position na ekante ya maponami alobi train eza déjà en marche ba oba kokota ba ki ba oba kokota te batikali. Pour terminer, mon tourné souka tosilisa. Lelo ouyou, na kati République démocratique du Congo. Ma ponami, ezali, to ezalite. Journaliste d'investigation, na quantifié question, na yon a de. Parce que na roupé sa opiste déjà hier, na briefing, le ministre de finances Nicolas Kazadi, à l'ouba qui en clair. Mon solo est singulier qui est à la versée, na seni, ils en ont moins beaucoup. Mais pour nous, ils allient tous les alités. Mon tour n'en a pas sur Kayangoa. Nous avons quantifié question. On a deux thématiques. On a ça là, par là, et par là, moi, conclure. L'insécurité en République démocratique du Congo et ainsi que les élections en République démocratique du Congo.
normalement, on évoquait l'hymne Nabiso. Tant qu'analyste politique, cadre universitaire, il faut te revoir l'hymne Wana. L'hymne Wana est conjugué à fitir du débit à la fin. Nous peuplerons, nous rassurerons. Du débit à la fin ne mérite pas que Bissou Bakongolo tous a un hymne où ils allaient dire na fiti, na fiti, na fiti. Deuxième élément, l'insécurité en République démocratique du Congo de quoi enterrer na ba élection. Allez-y dans une minute juste, une minute juste. L'insécurité en République, d'abord, parlons de l'Est. Une minute, chrono. Tozali, na guerre économique. Nde eye kubote la biso, guerre à Est. Et ça, guerre politique ici. Du coup, nous voyons le Rwanda. Derrière le Rwanda, c'est la communauté internationale. Les hommes d'État congolais. Il ne faut pas réfléchir qu'on négocie place Rwanda à négocier pour traiter la communauté internationale face à face à passer par le Rwanda. Les élections. Nous avons connu les parodies des élections en République démocratique du Congo pendant 18 ans. Ce que nous appelons en politique fait d'annonces et gestes symboliques. Élection Yali Bosso, auto-connaître Yango, c'est Jean-Pierre Bemba, Oazala qui ticket gagnant, mais on a proclamé Joseph Kabila. Élection Nibale. Et puis la proclamation et l'élection, on a Azala qui wapi, na charge de combat. Nulle part au monde sauf en République démocratique du Congo. Élection Nibale. Élection Nibale, Sfex est délimité à gagnant qui. On a proclamé Joseph Kabila. Élection Yami Sato. Élection Yami Sato. Je laisse la conclusion à la population congolaise. Mais je dis ceci. 80% des députés qui sont à l'Assemblée nationale sont nommés par M. le clé ISB de Nanga et Joseph Kabila dans la République démocratique ya Kingakati. Je crois que vous voulez dire que l'arrivée de Félix. L'arrivée de Félix, la perçoire et la magistratiste. Je termine. L'arrivée. Vous avez quatre seigneurs sacrés. Non, attendez. Attendez. Que je termine. Que je termine. Donc, monsieur racheté, les lots ont confirmé compromis à l'africaine. Je peux terminer mon idée. Question anglaise simple. Je peux terminer mon idée. Question anglaise. Par rapport. La réflexion, la rétrospective électorale, oh, tu connais très bien la République démocratique du Congo des 60 à nos jours, je dirais oui. Au compromis africain. Par rapport, j'ai fait les rétrospectives. Qu'a connu la République démocratique du Congo des 60 à nos jours. Na retracé yo briefing il y a 18 ans. Oh, tu connais très parodie des élections. Le fait d'annonce, le geste symbolique. Na conclure que 80% y a des députés basés dans l'Assemblée nationale sont des députés nommés et non votés. Nanga a déposé une candidature dans Yowapi. A sa la campagne Yowapi. Il s'est retrouvé à l'Assemblée nationale comment? Non, on ben minako. Moi si y a Nanga. A déposé une candidature na Yowapi, à cela qui capable Yowapi, il s'est retrouvé à l'Assemblée nationale. Comment? Bref, troisième élection au MMI, président Félix na magistrature suprême et qui a dédouané la mauvaise formule électorale au te connaître qui en haut. La troisième élection. Cette troisième élection, Zali, parmi les élections, il y a ma BO de connaître la République démocratique du Congo. Il y avait que deux personnes
avec clé ISB dans la République ya Kingakati au baba badai ko nommé Joseph Kabila et le tirananga na banza été tokomi la mission na suka na ko spécule na ko loba yango clair été ba propos et loba mi awa ça n'engage que monsieur racheté Ozali Bongo, président du mouvement ANCP et membre de l'Union Sacrée. Oyo, à l'objeté, le président Félix Antoine Tshisekedi a été compromis à l'Africaine. Et à l'objeté, propos na yo. La bande a été fidèle téléspectateur, tout comme il a sous émission Nabisso. Je n'ai pas dit ça. Je suis trop clair et je répète. Je me suis référé na période aux républiques. On doit corriger. Moi, j'aime pas des cultes des personnalités des gens. Je n'aime pas citer les personnes. Dans le lobby, les élections. Élection, la élection, République. Élection en 2018. Ils ont dit élection et Salema qui na contexte Yamala Moutou Yamabe. Les élections qu'a connu la... Je vous réponds, c'est la réponse. Question n'angaï. N'a comme que tu quittes déjà. Les élections qu'a connu la République démocratique du Congo de 60 à nos jours. Les alli malamu tomabe. Voilà la bonne question que vous devriez poser. Vous me répondez par oui ou non que vous confirmez. De 60 à nos jours, ma élection a mandé par oui ou non que vous confirmez le compromis à l'Africaine. D'une manière générale. De 60 à nos jours, élection à malamu zati. Merci beaucoup. Nanga il faut dédouaner biso. Mais tout le monde a que nanga zoya les sous plus que le tyran kadi ma il fallait dédouaner biso tout le monde a que plus que le tyran nanga. La bande était balandi à Congolais télévision balandi biso et les loyo ezali masolo ya mboka. To comme na suka émission na biso to kouta na numéro mon sousu. Pe botika na malam na mabota na bino. We'll be right back.